Pardon. Bella? Guys, I'm just literally so excited. I just like, you know, I'm so happy to go. Bon bah voilà, hein. Je vais faire ma valise. Hop. Alors, vous voyez cette vidéo, j'aurais déjà amené ma fille, ma soso, chez mes parents pour la semaine. Sympa. Qui c'est qui va prendre 3 kilos, c'est mon petit Lukumbu. Ah, on est très maladroite là. Tu vas me manquer. J'avoue que j'ai commencé à préparer quelques tenues, scrollant un peu sur Pinterest. J'ai trouvé quelques inspirations, ouais. Donc je sais exactement comment je vais m'habiller tous les jours. I'm leaving today. I'm always be a part of it. New York, New York, New York. Dum, 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 dum. J'ai été extrêmement rapide pour les vêtements parce que je suis ce genre de psychopathe qui prépare tout à l'avance. Là, j'ai tout noté. Samedi 4, tenue de voyage. Lundi, manteau rose. Mardi, ensemble de costumes. Mercredi, jean et blazer gris. Comme ça, je prends pas trop. Vous voyez, là, ça rentre tout. Et là, j'ai tout ça pour les chaussures, les accessoires et la cosmétique. J'ai un énorme crush pour ces Santiago. Mais elles prennent beaucoup de place dans la valise. En même temps, ça va avec tout. Ça, c'est une option pour l'instant. Lisseur, boucleur, trousse à maquillage. J'essaie de prendre le strict nécessaire parce que... Non, le strict minimum. Ou le nécessaire, mais pas le strict nécessaire. Quoique. Il y a 3 produits que je suis obligée d'emmener. Le saviez-vous? Fun fact. Good to know. L'Occitane a sorti une gamme pour le corps à l'artichaut. À l'artichaut. En fait, apparemment, l'eau de cuisson des artichauts, elle aide à purifier et détoxifier, j'ai du mal avec ce mot, pour une sensation de légèreté in and out, c'est-à-dire dans le corps et sur la peau, enfin l'extérieur du corps, enfin bon bref, voilà, si vous avez besoin d'un traducteur. It's because I'm going to New York, so you know, I'm used to translate. Vous l'avez compris, l'Occitane sponsorise cette partie de la vidéo. S'ils pouvaient sponsoriser ma vie, ce serait avec plaisir aussi, car j'utilise tout le temps leurs produits. Attendez, je vais mettre mes lunettes pour faire un peu plus sérieuse quand je vous parle des produits. Hop là, attention. En premier, il y a l'exfoliant à l'artichaut, donc un exfoliant c'est pour éliminer les peaux mortes. Et quand vous l'utilisez sur la peau sèche, il a un effet chauffant, que j'adore personnellement. J'adore quand c'est chaud. Ensuite, la crème pour rafraîchir après l'effet chaud. Franchement, souvent, je déteste les crèmes pour le corps. Enfin, j'ai souvent la flemme de mettre de la crème pour le corps. C'est ça la vérité. Mais franchement, elle, l'hydratation, elle est trop bien. C'est pas collant et t'as genre une espèce d'élasticité. C'est ça le mot? Cœur sur l'artichaut. Ah non, les jeunes, ils font cœur sur l'artichaut. Et mon préféré, l'élixir de légèreté. Ne prenez pas peur, je serai votre druide. C'est à base d'extrait d'artichaut, de fenouil, de chicorée et de bardane. Ok, jusque là c'est chelou. Et en fait chaque matin tu mets une cuillère à café de ça, soit dans de l'eau, soit moi je fais dans du yaourt. Franchement le goût il est pas atroce, genre un goût de citron, c'est vraiment pas dégueu. Mais par contre... Tu as une sensation après, comme si t'avais fait 20 ans de yoga. En fait, ça facilite la digestion, le drainage et la détoxification. Il y a vraiment des mots que j'ai du mal à dire dans la vie et ça en fait partie. Moi, je le fais depuis une dizaine de jours et franchement, je vois grave la différence. Genre, je me sens plus légère alors que je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, quand je vais manger beaucoup de burgers et de cookies... Vive l'artichaut, vive l'Occitane. Et nous, on va continuer la valoche. Quand je dis la valoche, j'ai l'impression de parler de Valérie Damido, parce que c'est le petit surnom que je lui donne. Oh non, vous voyez mes très grands pieds, ça me gêne. Arrêtez. Regardez ailleurs. Allez, à demain. Oh my god, j'ai trop peur. Oh là là. Oh, oh. C'est choquant. Oh la vache. Waouh. Waouh. J'avais dit qu'on était en honeymoon, je suis folle, j'avais mis une bague carrément. Parce que je savais que parfois ils peuvent upgrade, du coup ils nous ont mis une bête de chambre. On est bien arrivé à l'hôtel, on va aller se balader. On pensait pas qu'on arriverait aussitôt, on pensait que genre l'aéroport et tout ça allait prendre plus de temps, c'était plus loin et tout. Donc je pense qu'on va aller vers Times Square, Times Square. Times Square. Et genre Greenwichville. C'est Greenwich Village. Je vous amène, j'essaie de vlogger un peu, mais j'avoue que je suis KO. On s'est levé à 5h du matin. Et là en France il est genre 22h, mais ici il est 15h quoi. Let's go. Qui c'est qui va dormir à 20h ce soir? C'est moi, yeah. Sweetheart, do you wanna be my Marie? Oui, my home.
Et regardez la pizza qu'on a pris. Elle est tellement grosse, c'est une part. Bah là, il est content. Hein. Il est content là. C'est énorme, je sais même pas comment je vais. Non, mais bébé, je peux pas moi. Monsieur là. 1, 2, 3, 4, 5. Let's rob a bank. 6, 7, 8, 9, 10. On est en train de se balader, c'est le pull que j'ai acheté à Soki. Du coup on va rentrer. Hi. Coucou. C'est des bottes de pluie. Regarde ce que je vois. Un tournesol. Oui, c'est la tête. Et ça c'est un lapin. Ah, c'est un dinosaure ou un tournesol? C'est quoi sur le dos? Peut-être qu'on reviendra. Je vais pas te mentir. En revanche, je vois des petits souvenirs. Elle a un déguisement hot dog. Elle a déjà une pizza. Elle a déjà des frites. Elle a déjà tout en fait. Bon, et elle a pas un petit taxi qui fait pouette pouette. Laisse-moi dire deux trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la ville, les matins sont obscurs. Il fait trop froid. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin, sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à travers. Je sais même pas vous dire quelle heure il est. Bon, on voit pas, bah super. Il est 18h54 et on va dormir. À demain. Pas tout de suite. Bah, je vais dormir tout de suite, attention. I'm searching for a new beginning. Oh, oh yeah. I'm searching for a new. Bonjour. Quelle belle journée, il fait grand ciel bleu à New York City. Je suis choquée, genre vraiment on s'est réveillé avec une vue. Ici c'est dimanche, regardez je suis un peu en prof d'espagnol. J'ai des couleurs partout, pour moi c'est très prof d'espagnol. C'est dimanche et on va se promener à Central Park. On s'est couché hyper tôt et on s'est levé à 6h. Donc là on a 9h de sommeil, on est prêts. I'm searching for a new. C'est mon deuxième match. Hein. T'aimes bien ou pas? Non, je trouve pas ça très bon, mais c'est bon pour la santé. Par contre, les photos sur Instagram, tu vas bien les aimer. What's that a hold in the light of this? Je l'avais oublié. J'étais dans l'air. But my heart decides. Thoughts can be cruel. Regardez, on peut acheter, enfin en gros on peut être parrain d'un banc à Central Park pour 10 000 $ et après tu peux écrire ce que tu veux sur la plaque. You made life a cabaret. Là il y en a un dip si tu veux qu'on l'achète. On l'achète? T'écris quoi? Streamer trop bonne. Non, un truc un peu profond. Streamer trop bonne et se casser. Oh, trop chou. Soki. Non mais attends, il est trop chou, je vais mourir. Tu les as lus? Les livres sur le bonheur, tu les as crus. Les marchands de songe et de peur. Tout est chaque seconde. Plaire tout le temps, satisfaire tout le monde. Les backstage. Mais il faut hein, mais tu serais pas créatrice de contenu? Si c'est moi. Ah c'est toi? Bah ouais. C'est incroyable. C'est vous de se croiser là. Ah ouais, c'est incroyable. Oh, la connasse qui appelle l'écureuil. Saute-moi dessus. Pitou. T'imagines il m'attaque, je meurs. Il est très près là. Toss and turn, never sleeping. Shadows move, floors are creaking. Ok, on va faire un crash test de Levain Bakery. Tout le monde nous en parle. Je suis prête. Ok. Ok. Énorme. Oh là là, ça me rend tellement heureuse ça moi. Vous êtes prêts? Oh, j'ai un peu loupé.
Putain, c'est une brioche le truc. Oh là là. Les amis, je me suis changée, je mets des lunettes parce que c'est pour cacher mes cernes. C'est pas du tout que j'ai besoin de lunettes. T'as pas de cernes. Merci. On est rentré, on s'est posé un peu et là on va aller manger. Parce que on est un peu con. En vrai, on est un peu con. Oui. On marche 30 000 pas par jour. Là, on était parti de. On a marché de 8h30 jusqu'à environ 17h. Et en fait, on s'arrête pas. On s'est assis à un moment pour manger un cookie sur des marches. Mais on s'arrête pas pour manger dans un resto et chiller. Non, pas encore. C'est la frénésie new-yorkaise. Voilà, c'est ça. C'est la folie. On est dans le mouvement, quoi. On voit pas le temps passer. Et d'un coup, boum, on a mal aux pieds, on a faim et on a froid. Et voilà. Du coup, à 18h, faut aller manger un petit truc. Du coup, il est quelle heure là? 18h. Il est 18h. Bon, on va aller manger. On va aller dans un barbecue coréen et en même temps quoi? Non, rien en même temps. Tu seras pas d'accord. Vas-y, pourquoi pas Shake Shack? Mais j'avais bien envie de me poser au rush. Ok, ouais, moi aussi j'ai envie de me poser. Ce soir on va évidemment encore se coucher à 20h et après demain les festivités commencent. Demain on a quelque chose. Le cas, qu'est-ce qu'on a demain? Ah non, on a rien. Si, c'est demain. Si, c'est demain. Mais c'est à 17h. Ok, ouais. À 17h on sort. Les festivités commencent. Lucas, qu'est-ce qu'on a mercredi? T'es toujours raté. Ah oui. Non, mardi soir, on Lucas, a qu'est-ce qu'on a NBA. Mardi. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Ça va être très chouette. J'ai l'impression d'aller faire, de faire plaisir à mon fils. On va avoir un match. Lucas, qu'est-ce qu'on a mardi? Tu leur dis? Un match. Juste, vous avez vu ou pas? Parce que je l'ai pas mentionné à l'oral, mais on allait au musée. Big brain. Let's go, let's go. Ils ont tous ces chiens ici, c'est trop chou. C'est un peu grand et maladroit. Voilà, chez Antoya, barbecue coréen. Sympa. Sympa, vite, cours. Coucou. Ça y est, regardez. Là-dessous, regardez, il y a du feu. C'est littéralement un barbecue. La table est trop stylée. J'ai commandé un truc pour deux. C'est un peu cher, mais ça a l'air bon. À midi, vraiment, j'ai mangé un cookie aujourd'hui. Ce matin, un avocat au toast. Mais on mérite. Les gars, il est tellement tard. On est au lit là, 20h10. Comme vous pouvez le voir, je me suis lavé uniquement le haut de la tête et pas les extensions parce que c'est trop long à sécher. Voilà. Vous savez tout. Et je vous dis à demain pour encore une très belle journée in New York. Salut les amis. Aujourd'hui je vous ai pas trop parlé, du coup je vais vous faire un débrief de la journée. On s'est levé et on est allé à la High Line, qui est une ancienne voie de chemin de fer. Et donc c'est une balade un peu dans New York qui fait à peu près 2 km. C'est pas mal, il y a plein de points de vue jolis et tout. Là nous on est en hiver donc il y a pas de verdure, mais normalement c'est assez vert. Coucou. On est sur la High Line. Il fait beau, il y a un peu de vent, mais on est bien, voilà, petit point météo. La vie est belle, aujourd'hui ça va être une super journée. Voilà. Je crois que je suis floue. Take your time, fall in line someday. Ensuite, on a marché pendant 40 minutes et on est arrivé au Ground Zero, au World Trade Center. Et on a fait le musée sur, sur l'attentat des tours jumelles. Franchement, c'est à faire. Je vous préviens, si vous le faites un jour, c'est hyper triste parce que c'est affreux ce qui s'est passé. Il y a plein de témoignages et tout. Enfin, franchement, c'est très bien fait. Il y a une atmosphère assez particulière, mais c'est vraiment très bien fait. Évidemment, j'ai pas filmé parce que déjà, c'est interdit dans plein de salles et enfin, j'allais pas vlogger ça. Ensuite, on a pris le métro. Et après, non mais en plus faut qu'on raconte le best. On est allé au Ellen Star Diner. Je crois que c'est ça le nom. Ellen Stardust Diner, Kuplow Diner. C'est genre une comédie musicale au restaurant. C'est ma vie de rêve. Moi, mon rêve, c'est de vivre dans une comédie musicale. Bah là, c'était le cas. En gros, tu manges et les serveurs, ils chantent aussi. Alors d'un coup, il y a ton serveur qui t'amène ton cheesecake et d'un coup, il se lève, il prend le micro et il chante. C'est un rêve. West Virginia, I love you.
Donc ça, ça nous a mis de trop bonne humeur. À 16h, on a mangé un gros burger et ensuite on s'est baladé. Et après, on est allé au top of the rock. Mais il faut sachez que, d'ailleurs ça c'est une expression, donc pensez pas que je me trompe. Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménal. Mais je sais qu'on dit il faut savoir que. Donc il faut sachez que ce matin on s'est pris un coup de stress parce que moi j'avais réservé, enfin je pensais avoir réservé à l'Empire State Building. Et ce matin on part de l'hôtel et je me dis ah parce que j'ai pas internet la journée, donc je me dis attends je vais screener les billets. Et là je les trouve pas donc... Je me dis bah merde j'ai pas les billets. Et en fait je vais sur mon compte bancaire et j'ai jamais validé, donc j'ai jamais payé, j'avais pas les billets. Sauf que c'est le karma, parce que tout le monde m'avait dit une fois que je pensais avoir réservé les billets, ouais l'Empire State Building faut pas le faire parce que t'as pas la vraie vue iconique de New York. Mais moi j'avais déjà réservé les billets, ça coûte une blinde, donc j'étais en mode bah tant pis. Et en fait j'avais mal réservé. Du coup on est allé au top of the rock. On a eu de la chance parce que c'était pas complet. On a pu aller au coucher de soleil. Personne. Enfin si, plein de gens en haut mais pas la queue en bas. Franchement c'était magnifique. Pas la moitié. Je vais vomir après le burger. Top of the Rock, c'est incroyable. C'est pas serein. On n'est pas très serein. Non mais c'est choquant. Regardez, celle où on était hier, c'est Central Park. Avec mon gros oncle de petites pains bêches. On est passé par Times Square, enfin vraiment cette vie, on a envie d'habiter là, ça y est, on veut aller retourner chercher Soki et s'installer ici. Regardez ce que j'ai retrouvé dans ma poche, une petite friandise de Soki. Ça fait mal. Miss Soso. Hé, mais c'est nous. On a mangé à 16h donc on va pas manger ce soir. Il est... Attendez hein, il est quelle heure Lucas, dis-leur. On a fait une petite soirée. Il est environ 20h30. C'est pas sérieux. On s'est bien régalé en tout cas. Hein. C'est pas sérieux. Moi j'ai acheté mon dîner de ce soir, 5 fruits et légumes par jour. Yeah. Donc je vous dis à demain, mais cette journée était trop géniale. C'était trop bien. Coucou. On est à Coney Island, tout est fermé, c'est un peu glauque mais c'est très beau. Et il fait encore un grand ciel bleu. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Rien que des mots. Des mots faciles. Oh, c'est trop bon. C'est bon, ça me fait presque envie. T'aimes pas? Ouais. 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 Caramel, bonbon et chocolat. Les gars, je vous calcule enfin. Il fait tellement froid, je peux pas sortir ma caméra. Ça se voit pas comme ça, il fait bleu magnifique. Mais il fait un froid de canard. Je me caille, genre là je me dis j'ai peut-être de la morve qui sort pendant que je vous parle. Et je suis désolée si c'est le cas, mais je vois flou tellement j'ai froid. Là on marche depuis 20 minutes pour trouver comment monter sur le Brooklyn Bridge. On trouve pas les escaliers pour y aller. Genre je vous jure on dirait qu'on est sur le périph. Je lui avais dit qu'il fallait monter avant, il m'a amené au bord de l'eau avant qu'on se rende compte que c'est 2 km derrière. On fera jamais Pékin Express ensemble, on s'engueulerait. Mais je sais pas, mais non, mais c'est hyper... Elle est où la map là? Finalement on avait accès au Brooklyn Bridge, j'ai menti. I'm watching an old time movie, follow the clouds go by. On a marché 30 000 pas aujourd'hui. Bonne nuit. Salut les amis, ça va? Mais ça va moi, merci. On est jeudi, il est 10h et là on a traîné un peu ce matin parce qu'on a travaillé. Lucas il est en bas au café de l'hôtel, il est en train de bosser. Et moi j'ai travaillé dans la chambre, je vais faire des stories et tout. J'irai plein de trucs parce qu'en fait avec le c'est la seule raison pour laquelle je pourrais pas habiter en France. Franchement c'est un peu chiant le décalage horaire. Pour laquelle je pourrais pas habiter à l'étranger par contre. Parce que j'habite en France. Il faut que je vous montre ce que j'ai acheté hier. Je vais mourir de mignonnerie. J'ai acheté déjà ces chaussettes que je porte. Il y a des flammes.
Yeah, yeah. C'est un petit magasin à Brooklyn qui s'appelle A Walk Vintage. Ah oui, hier on a déposé notre péloche. Ah, j'ai peur. Une autre paire de chaussettes. Mais ça c'est trop mignon. Et enfin... Attendez, je les mets. Des bagues, mais... Oh là là, c'est trop mignon. Bah elle, elle est énorme, elle est un peu serrée sur ce doigt. Mais là, c'est une grosse fleur, un peu comme sur mes ongles. Et celle-là, trop belle. Voilà, on verra si je trouve d'autres trucs. Je cherche un bomber ou alors une veste de touriste avec écrit New York, mais je trouve pas encore. Aujourd'hui, programme, vous verrez. À toi le charreau qui m'a sifflé dans la rue. À toi le relou qui m'a pas respecté. À ce que tu as mis dans le verre que j'ai bu. J'aimerais te dire ce que j'ai vraiment pensé. Ah non, non, non. Il va nous sauter dessus. On a même pas sorti la bouffe. Oh my god, non, 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 non. Oh là là. Oh là là. Oh. Tous les hommes ne sont pas comme toi. Les gars, on est au truc Summit, la Summit Experience. Mais ça fait trop peur, on a l'impression d'être des cobayes dans un film et qu'on nous envoie sur l'espace. Mais, enfin, c'est Disneyland ou quoi? Oh non, non, mais moi j'ai peur. Ok, donc là on est sur un miroir. En fait, t'as plein de gens allongés. Et t'as une vue incroyable sur New York, mais par contre, t'as vraiment beaucoup de gens. Dans 100 ans, on dira qu'on a dépasser tout ça dans 100 ans, on aimera nos corps. Il y a des gens qui vont là, ils sont suspendus dans le vide et c'est retenu par un truc si fin. Oh my god. Nous, on l'a pas fait. Hein. Nous, on regarde, on est vraiment. Oh là là. Mais ça va pas, on est au genre 90e étage. Regardez comme on est haut, attention. Et eux, ils vont se foutre. Non, mais ça va pas, ils vont se foutre. Mais moi je peux même pas, je dépasse pas ça, je marche même pas sur ça, j'ai trop peur. Nos corps, mais pas grâce à toi. Tous les hommes ne sont pas comme les amis. Avec Lucas, on va à une comédie musicale. Je suis trop contente. On va voir le Moulin Rouge. Et en gros là c'est le film qui est repris en comédie musicale. J'adore ce film, quand je l'ai dit que ma soeur elle l'avait en DVD, je l'ai vu tellement de fois. Pou 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 pou. Oh là là, mais c'est magnifique. Waouh. Oh là là, c'est trop beau. Hey sister go, sister go, sister go. C'était trop trop bien, incroyable, magique. Des étoiles plein les yeux, boum boum. Évidemment, il n'y avait pas le droit de filmer, donc bah j'ai pas pu filmer, mais c'était, je pense, la meilleure comédie musicale que j'ai vue de ma vie. Il y avait une ambiance, les gens, ils hurlaient, ils applaudissaient, on était tous genre wouh à la fin de chaque tableau, c'était trop bien. Adapté du film Moulin Rouge, du coup, on a trop aimé. Je veux vivre dans une comédie musicale. Bonne nuit. C'est terminé. It's over. Regardez le jean que j'ai acheté. La chambre est en bordel, mais pour notre défense, il n'y a pas de rangement. Il est très oversize, on voit rien. Voilà, pourquoi je suis pas une bonne influenceuse fashion. Ma mère va détester ce jean. C'est la dernière journée aujourd'hui, j'ai pas trop filmé. On s'est un peu baladé et ensuite on a fait des souvenirs. Et enfin, on a acheté des souvenirs pour nos proches. Maintenant c'est fini, demain on repart. Donc là on va faire nos valises. Regardez, faut qu'on fasse nos valises. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère, enfin on espère qu'elle vous aura plu. Et à bientôt. Dans 3 jours c'est mon anniversaire. Enfin le jour où je passe cette vidéo. 25 ans. Je suis dégoûtée. 25 ans. Je suis dégoûtée. 25 ans.